Piszczek. Les deux équipes qui se sont jouées pour la dernière fois en février 2012. Je ne vais pas vous dire le score, Omar, sinon vous allez pleurer. Disons qu'il n'y avait pas eu de but. Drojitski. Drojitski qui peut centrer pour trouver Lewandowski. Cet homme-là a été attendu. Et dès la 12e minute de ce quart de finale, il répond présent. Oui, Robert Lewandowski est un grand attaquant. Ajouté, regardez d'où il vient. Il lâchait pas à 60 mètres. Il allait se rebondir. Il saute dans le vide. Et ensuite, le centre très léger. Le numéro 10, celui qui doit commencer les actions, c'est João Mario. C'est lui qu'il faut qu'on puisse solliciter, assister. Elle est belle, Nani, allez. Nani qui est allé le gagner, ce ballon. Nani avec Ronaldo. Ronaldo pour la frappe. C'est cadré enfin pour le Portugal. Il a fallu un peu moins de 3 heures maintenant. C'est une histoire terminée. On le saura à l'issue de cette rencontre. Renato Sanchez. Sanchez avec Nani, le 1-2. La frappe finalement du jeu. Elle est superbe. Oui, il a eu raison. Il a sorti le coup, il s'est appuyé. Et il permet aux Portugais de revenir dans la partie. 18 ans, mais énormément de talent. Un partout. Là, c'est lui-ci. Et il s'accommode. Première. Ce garçon-là, il est capable de tout. De planter plusieurs années de sa carrière et de revenir au très haut niveau.